choose your character. Salut à tous, c'est Moustique5ans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de Judgment. Alors ne perdons pas de temps et entrons dans le vif du sujet. Tac, c'est parti. Alors je suis désolé, enfin en fait, faut savoir, pour cet épisode là, je viens d'enregistrer j'ai enregistré genre peut-être 5 minutes, même pas, moins de 10 minutes c'est sûr. Et en fait mon Avermedia a bugué et j'ai eu le gameplay qui buguait. Je sais pas si vous vous rappelez, sur Uncharted 2 j'ai eu un espèce de bug pareil. Donc la dernière fois, nous avons rencontré le flic Ripou, la connaissance de Kaito, donc Ayabe, qui nous a remis des documents sur les 3 meurtres des Yakuza. Et comment dire? Et ensuite, en rentrant chez nous, à notre agence de détective, eh ben, on s'est fait attaquer par des mecs, des hommes masqués, qu'on a battus. Et donc là, on avait sauvegardé juste ici. Et donc on va reprendre. Donc ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc j'espère que je vais pas être trop rouillé. Et j'espère que la Vermedia va pas bugger, maintenant je suis parano. Alors nous allons rentrer et examiner ces dossiers. Ah, le bug qui m'a... ça m'a perturbé. J'étais pas prêt. Donc la petite cinématique pour qu'il pose l'enveloppe. Hop. Et ben nous allons examiner l'enveloppe. Et donc la cinématique va se lancer. Et là, c'est à partir de là que j'ai arrêté d'enregistrer. Donc là, à partir du moment de la cinématique, c'est là où j'ai pas commenté encore. やってるな、タボ。綾部の捜査資料見てるんだろ。ああ。そっちは、カジノの続きはどうだった?100万の価値。え?まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ、カイトさん、今月給料いらないんじゃ。それとこれとは別だろう。そっちは、モグラを見つけられそうか? いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいない。ってことが、この資料でよくわかった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただ、モグラの2件目の事件。被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。 C'est la deuxième victime de la taupe, les yeux arrachés, comme Kume. Soitsuga Kunimura ka? Ah. Korosareru 2 jikan mae ni Tenkaichi Dori no Konban Wife tte mise o deteru. Hitozuma Keihetsu. Aite shita onna no ko wa Kanae-chan da. Jaa shinu mae ni ii omoi shite ta ka. Chotto dake sukuwareru na. Kore kara Kanae-chan ni hanashi o kiki ni itte kuru yo. 国村がどんな様子だったか、何かモグラに繋がる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ。好きに行ってくれて。 Alors, détail. Alors, je vous avouerai que je sais pas combien de temps va durer l'épisode. Il va peut-être pas durer longtemps par peur que la Vermedia bug. Donc, j'avoue que je vais peut-être faire un épisode assez court. Alors, je vous laisse lire. Ah mince, oui, c'est sûr que ça va pas descendre. Alors, attendez, hop. Hop. Et enfin, je vous montre ça. Hop, normalement vous pouvez tout lire, il n'y a pas de problème. Ok, on va y aller. Alors, j'ai pas regardé ma barre de vie. Je suis bien, j'ai ma jaugex remplie. Hop là.
Hop, on va prendre les petits collectibles pour aller revendre des trucs. Ah, il y a un dossier bleu. Alors, les dossiers bleus sur la minimap que vous voyez là, c'est des quêtes secondaires. Donc, je sais pas si je les ferai. Comme je vous ai dit, ça sera suivant l'envie, suivant mon humeur aussi. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on a des points d'interrogation parce qu'on connaît pas, on ne connaît pas la personne. Voilà, c'est tout. Je dois aller par là. Tac. J'ai tout fait tomber. Enfin, c'est pas grave. Alors, on va aller à droite. Non, oui, à droite. Ah, et des loupards. Allez, un petit combat quand même pour le début. D'accord, alors les mecs sont pas... ont couru à côté de moi. Hop. Et le dernier, c'est la victoire. C'est l'échauffement, hein, des petits boss, des petits... j'allais dire des petits mobs, enfin des petits, voilà, des PNJ très très faibles. On va quand même reprendre de la vie. Donc on va aller manger à un resto pour vous donner faim. Ça va au moins servir à ça. Hop là, je suis dissident, moi je pousse les chaises. Allez, on va parler au monsieur. Bienvenue monsieur. Alors, on va prendre quoi? Oh, déjà moi je suis très chocolat, le pudding. Et on va prendre un bol de riz et de fruits de mer. Je déteste les fruits de mer IRL. Et on mange tout ça. Et j'ai gagné. D'accord, ok. Hop. Moi je commence par le dessert, oui, c'est bien connu. Et ensuite je mange le salé. Oh, hey Ozumi, le client est sur le point de partir, tu oublies pas quelque chose? Comme quoi? Ne me dis pas que tu as encore oublié. Non, bien sûr que non, d'ailleurs je m'en occupe tout de suite. Bon, je ferai bien de partir. Oh, avant que vous partiez, j'aimerais vous servir quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Je dois vous servir quelque chose qui vient en fin de repas. Oh, comme quoi? Vous savez, chaque restaurant de sushi le sert à la fin, ce truc-là. Quel truc? Allez, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Faites-moi un signe et je serai ravi de vous le faire servir, Ne me dites pas que ce type ne sait pas quoi servir et qu'il essaye de m'extroquer la réponse. Mais qu'est-ce qu'un restaurant de sushi pourrait bien servir en fin de repas? Un thé, peut-être? Je crois savoir de quoi vous parlez. C'est du thé vert, c'est ça? On le sert généralement en dernier car il enlève le goût du poisson qui persiste en bouche. Ah, vous savez quoi? C'est parfaitement logique. Et voilà, votre thé. Piouf! Quand je me demande quelque chose au chef, il s'énerve illico. Alors, merci de m'avoir aidé. Pas de souci. Ça doit vraiment être dur de travailler dans un bar à sushi. Il y a beaucoup à apprendre. Ouais, d'autant que le patron a des termes à lui qu'il est pratiquement impossible de retenir, vous verrez. Bon, je sais pas si c'était la bonne réponse, visiblement ça a l'air d'être la bonne chose. Intéressant. Je vous reverrai sûrement bientôt. Alors, en fait, je m'appelle Yagami. Enchanté, Yagami-san. Moi, c'est Kenta Uozomi. Et je vous prie, je ne voudrais pas que mes lacunes vous fassent fuir. Ne vous en faites pas. Et puis, ici, les soucis sont trop bons pour me faire fuir. Yagami-san, merci encore d'avoir dîné chez nous aujourd'hui. Hop, événement d'amis. Bon, et eh bien, bon courage. Je crois que la première fois que j'ai fait, parce que ça le fait trois fois, je crois que j'ai eu tout le temps les mauvaises réponses. Allez, on va recueillir les formations au Koban Wife. Mais voilà, fallait que j'augmente ma barre de vie. Alors, on est arrivé. Koban Wife. Le dernier endroit où Kunimura a été vu. Je suppose que c'était ça, j'ai pas eu le temps de lire. Ça a passé très vite en fait. On va parler au mec dans le guichet. いらっしゃいませ。ご指名ありますか?ん?ああ。ご指名ね。お時間すぐに入れるのは、ゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて。 じゃあ、先にコース決めましょうか。コース?それにオプションも。オプション?それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。
35 minutes est largement suffisant.35分コース。まあ、初心者だからね。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあ、でも別にお客さんの自由ですから。正解も間違いもない。安心してください。ご指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはユナちゃんにマリンちゃん、それとカナエちゃん。え、のせカナエちゃんこんぶ。カナエちゃん。カナエちゃんですね。Est-ce le bon nom? どうかした？かなえちゃんで間違いないね。おいおい、せかなえちゃんコンブ。ああ、かなえちゃんで。かしこまりました。それじゃオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？それはもういろいろですよ。女の子によってはNGのオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイがNGでして。 目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず。お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。 T'as changé, Kanae-chan. Hamura. Omae mo kane ne nari ni kouyu mise de asobun da na. Nande anta ga? Douyu koto desu ka? Omae koso nande kono mise nan da? Eh? Nante na. 教令会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。 タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。え？なんだそれ。<笑>あれはあんたの差し金ですから。<笑>今そこに控えてんのも4人だ。<笑> 言ってる意味がわかんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。どう？どう？え。カナエちゃんなら、さっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。 今回はイエローカードで済ませといてやる。<笑>お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。親さんか。 おう、どうした？なんか調子悪いのか？親父さんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。分かった。 C'est un petit détail, mais un truc que j'adore dans la... Je sais pas si vous avez remarqué dans la cinématique, quand Yagami se faisait frapper,
Ça fait comment en vrai en fait? Enfin, moi je me suis jamais fait frapper vraiment, mais quand Yagami prend des coups, il est en sueur parce que bah quand vous prenez un coup, forcément ça vous fait réagir et donc du coup ça vous fait transpirer. Et je trouve que c'est un petit détail qu'on souligne pas assez. Je trouve ça vraiment génial comme détail et les développeurs ont vraiment fait un truc sympa au niveau de ça. Bon, comme vous ai dit, comme la Vermedia a bugué tout à l'heure, donc là j'ai dit que je faisais un épisode court pour. C'est un peu l'épisode test au final de est-ce que tu marches la Vermedia ou pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien.